Les connus face à l'inconnu, c'est ça. Il y a une femme gitane qui était venue me voir un jour dans mon premier petit restaurant que j'avais monté en face des Folies Bergères et qui m'a regardée et qui m'a dit « Mais vous êtes un peu médium ». Je lui ai dit « Mais pas du tout, je ne suis pas médium ». Mais si, 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 vous êtes un peu médium. Et je crois, et ma grand-mère était un peu médium. Ah. Elle guérissait les gens avec ses mains. Je voyais ça quand j'étais enfant. Elle guérissait ? Oui, oui, elle guérissait. Elle soignait les gens avec son magnétisme. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Deauville. Et pendant que j'étais dans la salle de bain, j'entends « Elisabeth ! Elisabeth ! Elisabeth !» J'ai eu tellement peur, j'ai fermé la porte, je suis partie. Et moi, je croyais que c'était la télé, parce que la télé était en marche. Et à un moment, quand j'ai entendu « Elisabeth !» J'ai dit « Je vais écouter pour voir si c'est la télé. » Et c'était pas la télé ! Retrouvez Yves Carra tous les mercredis de 12h à 13h.